chevalier, notre armada dispose en abondance du précieux liquide noirâtre. Doomhammer est d'avis que l'heure est venue de donner une leçon à Ilsbrad que jamais les humains n'oublieront. Vous pourrez, grâce aux nouvelles fonderies, construire des embarcations plus perfectionnées et transporter vos troupes au-delà de l'onde vers les campements de ces misérables humains. Quiconque aura l'impardonnable audace d'esquisser une vaine résistance à la Horde devra être sévèrement châtié. Pas de quartier, pas de survivant. Donc voilà, nous sommes sur Warcraft 2 aujourd'hui. J'ai passé un petit peu les missions tutoriales de la campagne, histoire de commencer la première vraie mission, entre guillemets. Donc du coup, on y va. Voilà, The Warcraft 2, c'était ça. Enjoy. Donc, ça commence, on a systématiquement un problème de nourriture. Je sais pas pourquoi, mais toutes les missions, c'est comme ça. On manque de nourriture, c'est systématique. Donc, la nourriture, on va construire des fermes. Ça va augmenter notre quantité de nourriture. Voilà, j'ai un destroyer. Voilà. J'ai des petits trolls lanceurs de hache. Dont l'animation d'attaque est particulièrement rigolo. C'est notre ville qu'ils détruisent. Oui, non, c'est moi qui l'ai attaqué. Parce que les haches ne ressemblent vraiment à rien en fait. C'est, je trouve ça drôle. Regardez la tranche de la hache, on dirait un hache. Moi je trouve ça drôle. Ok. Donc, j'ai de la nourriture, mais pas beaucoup. On va faire une deuxième ferme. Voilà, hop, enfin, un petit mur de ferme. Et j'ai pas d'argent. Voilà, c'est cool. Donc, je pourrais explorer et ainsi de suite, mais j'ai pas envie de prendre de risque pour l'instant. Donc, on y va. Voilà. Donc là, niveau nourriture, je suis bien, j'ai une réserve. Donc on va commencer à développer l'économie, parce que tous les jeux de stratégie sont basés sur l'économie. Si vous avez une mauvaise économie, vous ne gagnerez jamais. On y va. Donc la base pour les jeux de stratégie comme ça, c'est d'avoir des péons. C'est de là que vient le terme d'ailleurs, les fameux péons, les workers. Donc on y va, hop, premier péon. Voilà. Commencer par développer l'or, histoire d'avoir plus vite d'autres péons qui vont me permettre de récupérer du bois, qui vont me permettre de me lancer. Voilà. Donc on y va. Mon objectif c'est de détruire la ville de Ilsbrad. Qui est je sais pas, probablement au nord. Au travail, prêt. Allez, on va encore en faire un petit peu là, histoire de vraiment pouvoir se lancer comme il faut. Donc là pour l'instant j'ai pas encore de bâtiment militaire, j'ai que dalle. J'ai quelques troupes qui sont offertes au départ pour pouvoir défendre, si jamais. Au travail, prêt. Voilà, donc là on va dire qu'au niveau économie ça commence à être sympa là. C'est une phase obligatoire vraiment de monter l'économie. Au travail, prêt. Ouais, donc là je peux vraiment produire en continu, ça y est. Je devrais même être rentable au niveau des sous par rapport à au temps de production. Au travail, hop, prêt. Hop, hop. Voilà, c'est ça, je commence à être rentable. Niveau nourriture, ça commence à être limite. Hop, on y va, un autre. Voilà. Alors ça c'était un truc qui me gavait dans Warcraft 2 à l'époque. C'était les tac 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 systématiques de tous les péons qui travaillent. À la longue, ça fait beaucoup beaucoup de tac tac. Vous allez voir que c'est assez infernal. Vite fait, on va faire une ferme. Niveau nourriture, je suis coincé de nouveau. Le premier bout de bois a été coupé. Oh. Bah lui ça va être mon père en constructeur. Mission. Vas-y père en constructeur. Construis une base militaire. Yeah. Oh.
Quand j'étais gamin, je me souviens que ça me fascinait de voir qu'au départ on avait juste un pauvre terrain où il n'y avait rien du tout et petit à petit ça se construisait. J'aimais beaucoup regarder ça. J'étais un gamin de peut-être 7-8 ans et j'adorais regarder la construction des bâtiments. Je trouvais ça fascinant. Donc là on va faire une scierie, sauf que j'ai pas de bois. Voilà. Je peux pas construire la scierie. Mission accomplie. Hop, voilà, scierie, construire. Hop. C'est pas forcément opti là, je vais essayer de la mettre ailleurs. Mais je sais pas, vas-y. On va faire comme ça. Le troll il va aller là. Et on va se servir de la scierie comme mur. Rien à foutre que ça sert pour le bois normalement, c'est pas grave, c'est un mur, vous en mettez. Je suis un thug, voilà, il tue ses séries pour faire des murs. Bref. Toi tu vas bouger. Tu vas me permettre de finir de faire un mur. Après, du coup je m'en trouve avec un périmètre. Vous voyez, accessoirement, je pouvais attaquer les mines d'or. Voilà, c'était très long, mais c'était faisable. On peut s'amuser à attaquer les mineurs. Elles ont un truc genre 999 points de vie, un truc comme ça. C'est un peu long, mais ça sert à rien. Mais on pouvait faire ça dans Warcraft 2, parce que c'était des bâtiments, comme tout le reste. Voilà. Donc là, on va se faire une petite tower, histoire de... hop, le chantier naval. Donc vous remarquerez qu'il y a trois ressources accessoirement, hein. Il y a le pétrole, qui n'existe plus à Warcraft 3. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais le pétrole a disparu. Mission accomplie. Il n'y avait plus que la nourriture et le bois. Voilà, donc ça va me permettre à ma tourelle de tirer des flèches si jamais je suis attaqué. Je vais accessoirement poster des gardes à droite à gauche en tenir position, c'est-à-dire que s'ils sont attaqués, ils ne bougent pas. Voilà, et on va en mettre encore un là-bas. Comme ça, c'est les gardes qui prennent en premier, c'est pas les bâtiments. Et j'ai mes tireurs qui sont derrière qui font le café. Ah, oups. Voilà, donc on voit que les petits dégâts de la tower sont sympas, hein, l'armure et ainsi de suite, voilà, c'est bien comme il faut. Mission accomplie. Ah. Niveau coup, ça va, je sais pas. Mal. C'est vous le chef, mais tout n'est pas tout terminé. Ok, donc on y va, exploration. Est-ce qu'il y a un truc de pétrole? Des petits fuck vous le chef, maître. D'accord, c'est des sales bêtes. Quand je dis que les animaux sont des sales bêtes, j'avais raison. C'est là que ça vient en fait, tout est lié. Construction des bateaux terminés. Il n'y a pas un seul truc de pétrole là, c'est possible ça? D'accord. Ok. Alors, mon chantier naval est un peu à des fucking kilomètres. Donc on va aller en faire un autre. Ah, quoi que. Fonderie. Non, c'est raffinerie. Raffinerie, voilà. Ça que je veux. Toi, tu vas aller construire ça là-bas. Vas-y, amuse-toi. Voilà, hop. Ça faillit. On va en faire un deuxième pour augmenter le rendement. Sauf que, j'ai plus de bouffe. Fuck. Non, j'ai plus de bouffe. Voilà. Bouffe non du tout. Raffinerie. Ok. Et j'ai toujours pas de... Mission accomplie. Arbite, travailler. Le machin il a un sac d'or, il bouge plus, tu sais, c'est agréable. Vous êtes à cause de lui. Je suis du bateau terminé. Mission accomplie. Là j'ai une raffinerie qui me permet de récupérer 25 de pétrole supplémentaire quand je récolte. Mission accomplie. Et ça je sais pas. Hop, pour le fun.
Mission accomplie. J'ai pas fait une série, si oui, elle est là. Hop, on va augmenter un peu les damages de nos troupes. Voilà. Tac. Ah, oh. Un méchant. Dégommer. Vite. Venir les troupes. Il est où? Il est là-bas. Il m'attaque. On attaque. Assaut. Spartiate. On est attaqué. Bim. Bitch. Ça, c'est des navires de transport qui sont en rouge. Parce que c'est la horde et que la horde c'est méchant. Donc, du coup, c'est rouge. C'est Narmol. C'est beaucoup la méchanceté. Construction des bateaux terminés. Ok. Ça augmente mon armure et mes dégâts. Cher. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais des gobelins là. Mission accomplie. Micromanagement works. On est attaqué. Méchant. Oh, telle puissance. Ils ne peuvent rien face à ma puissance. Ils ne peuvent pas tirer. Ha 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 ha. Déjà. Un machin qui tire. Micro. Ah, je sais plus là. Hein. Ah. Non, parce qu'il cible toujours les plus faibles en fait. Oh, un Baldox. Bonjour. Bon bah. Il a l'air de passer par là, donc on va l'attendre gentiment. Du coup. On a des machins là. On va tout mettre là-dedans. J'ai encore de la place. Hop. Hop. Là. Hop, on va se déposer. Voilà, décharger. Commencer à préparer plus de troupes. Plus de DPS. Plus. Vas-y. Monsieur. Donc si vous contrôlez les mers dans ce jeu, vous contrôlez la bataille. C'est pas compliqué. Ok. Aïe. Aïe. Dieu. Ouais. Ça s'est pas passé comme prévu. Ok. Alors, ils ont essentiellement des fantassins. Pour. Et ben. On va faire comme ça cette fois. Ah, on va prendre déjà un péon. Et donc, un paysan. Je laisse ceux qui ont reconnu la référence référencée. Voilà. Référence stationnée. Ok, il y a un match. Ok. Il y a un truc qui m'a shooté dessus là-bas, c'était pas tard, voilà. Reporte pour C'est vous le chef de maître. Ah, qu'est-ce que vous faites là, hein? Donc je vais réussir cette mission. Alors on va commencer par se déposer subrepticement sur les berges de l'île quelque part. En mode un peu partout. Je les dépose. Très bien. Voilà. Alors. Constructation. Et merde. C'est notre ville qu'il détruise. Voilà. On m'attaque. Assaut! Oh! Spartiate! Mission accomplie! Ouais! Mission accomplie! Salut! Vous êtes faible! Oh! Je suis pas bien! Non! Vas-y! On a établi une tête de pont là! Allez! Hop. Je suis coincé. Vous n'avez jamais vu cette scène. Elle n'existe pas. Elle sera coupée au montage. Il n'y a pas de montage. Merde. Vous n'avez rien vu. Je suis un Jedi. Vous n'avez pas vu cette scène.
On est attaqué. Oh, c'est pas des machins. Mission accomplie. Pas juste. Ah, t'as pas le droit. T'as pas le droit, j'ai dit. T'as pas le droit. Oh, il y a des petits mecs. Il y a des gommes, des mecs. Il y a trop de trucs qui se passent en même temps, je sais plus où regarder. Bon, déjà, on va continuer à faire des petits... Non. Tiens. Oh, on est attaqué. Mission accomplie. C'est vous le chef, Buse. Et voilà. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Haha. Mais... Y a des mecs. Attaqué. Des mecs sur mon île. Heureusement que j'ai fait des tavernes. C'est vous le chef. Ça, j'aurais pas eu la taverne, j'étais mal barré. Des mecs. C'est vous le chef, maître. Oui, c'est moi le chef. Je sais. On a un problème de Stockholm. Voilà, pas le pire. C'est vous le chef, maître. C'est vous le chef, maître. Allez, on va déposer un peu des troupes. Mission accomplie. On est attaqué. Et, on va profiter pour couler ces petits bateaux. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, t'as été coupé. D'accord, bah c'était mon péon qui est mort. Au revoir, péon. C'était héroïque. En fait, j'aurais la tower qui peut dégommer celui-là. Donc... Ah, un archer. Ah, un fantassin. Ah, un autre archer. Ah, ils sont partout. Repli stratégique. On est attaqué. Repli stratégique. Vas-y. Faire des DPS. Je suis déjà sur votre île, de toute façon, vous êtes foutus. Je sais pas ce que je fais. Ah mais tiens, c'est vrai que j'en ai encore des questions. Voilà. Nouveau troll ici. Nouveau troll ici. J'ai mis tellement longtemps à comprendre ce qu'il disait. Quand j'étais un gamin, j'ai jamais compris ce qu'il disait. Il dit nouveau troll ici. D'accord. Ça m'explique tellement. Il est où le gars? Il est dans le jeu. Nouveau troll ici. Ouais, bon, bah... Nouveau troll ici. Salut. Là-bas, il y a un arche-elf. C'est quoi dire? On est attaqué. Mais les gars, c'est quoi dire? Y'a un bitches. Ah ah. Oh ah. Cool. Je vais avoir des problèmes de bouffe bientôt, je pense. Non, je suis pas. Alors. Péonzor. Petit Péonzor. On va les construire. Allez, les gens. Attaque. Mort au fuck. Oh fuck it. Ouais, je pense que je suis bien là. À mon avis, j'ai gagné. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment comme ça. Je suis très proche. Une impression bizarre. Attendre 2h30 casser les batteries. Pourtant je suis en mode full troll hein, mais non je troll pas dans mon gameplay, merci. Mais enfin peut-être un peu. Ouais. Il galère un peu quand même. Hein. Peut-être que si je l'ai trop plus fire. Allez, tout le monde dessus. Ah oui, c'est manette, je vais les voir. Ah,
C'est des Lego mâchonnés. Ah bah d'accord, oui, c'est les petits mecs de tout à l'heure, ils ont dû dégommer tous mes constructeurs, tous les récolteurs de bois. Ah, ok. Au travail, c'est prêt. On y va. Péter tous les bâtiments pour gagner. Pas gagné, bah je sais pas. Dans votre allée. Je dois rester un truc quelque part. Je sais pas trop, je comprends pas pourquoi je n'ai pas gagné. Je dois rester quelque chose. Mon avis, c'est sur la mer. On va explorer joyeusement. Alors. Ah oui, je sais ce qui reste. Récolter du pétrole, l'autre bateau. Donc forcément, il doit avoir une station pétrolière. Et à cause de ça, j'ai pas encore gagné. Où es-tu ? Fichu station. Où est-ce qu'elle est ? Construction de bateau terminée ! Ah, mais c'est pas possible. Elle est où ? On est attaqué ! Qu'il a encore des installations quelque part, le machin. Voilà. Destroy. Bon. On va aller explorer là-bas dans le doute. Ah ben, je vais annexer la mine d'or. Et j'ai pas de quoi avec. Allez. Est-ce que j'ai gagné ? Victoire ? Pas de victoire ? Je sais pas. Non, oui, peut-être. Non, je sais pas. Je suis toujours pas content. D'accord. Bah, il doit y avoir encore un truc quelque part. Je sais pas. On va se balader et on va chercher joyeusement. Peut-être que ce sera en bas. Salut. On en va. Est-ce que ce serait ici ? On file une base ici. Ah, pour l'air. Je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils ont caché quelque chose. Salut. Mission accomplie. Construction des bateaux terminée. Bon les gars, vous allez explorer l'île. Ah bah voilà, bah voilà, je sais pas. C'est la magie de victoire sauvage. Tu sais pas pourquoi, mais c'est t'as gagné. Voilà. Et du coup, tu as le droit à un superbe score. Il ne sert à rien puisque bah, qui en a quoi que ce soit à foutre du score sur un jeu solo. Et après on a le droit à la suite de l'histoire à chaque fois comme ça au fur et à mesure dans une campagne. Des fois il y a des petites cinématiques aussi qui sont pour le coup des fois assez glauques. Donc je préviens, ça peut voilà. Comme je disais, ça peut être très joyeux. C'était Warcraft à l'époque. Rien à voir avec Mists of Pandaria par exemple et World of Warcraft. En mode joyeux. Voilà, à l'époque c'était la guerre, c'était badass et c'était on crame des cadavres en ce moment. La bourgade d'Ilsbrad est anéantie et dans le royaume des hommes se répand comme une traînée de poudre la rumeur annonçant l'imminence de la fin de l'humanité. Doomhammer fut ravi du massacre que vous orchestrate. Il vous juge maintenant digne de plus lourdes tâches. Ouais. Kaz Modan, la terre des nains. C'est des orques et des strates. Une
C'est un jeu de stratégie où on joue des orques. Comment ça, je dois aller me prendre pour les troupes de la Horde. D'accord. Bon. Il vous faudra tout d'abord reprendre Dunmod, puis porter vos assauts sur la citadelle insulaire de Stromgard, Dol Barad. Ok, ben voilà. Vous aurez vu un petit aperçu de à quoi ressemblait Warcraft 2. Jeu rétro la semaine prochaine, vous verrez bien.